Bah, j'ai fait plusieurs bêtises. Je vendais de la drogue. Je fais tout plein de trucs. Quel genre de drogue vous avez vendu? De la drogue dure et de la drogue douce, hein. On s'en sortait comme on peut, d'où je viens. Vous le voyez? Pas de fierté à dire ça, attention. Je conseille à aucun petit qui me regarde d'essayer d'imiter ce qu'on a fait, parce qu'aujourd'hui, je m'en sors mieux dans ma vie et je fais plus ça. Des fois, faut chercher d'autres trucs, savoir ce qu'on sait faire le mieux. Et ce qu'on sait faire le mieux, c'est peut-être pas vendre du shit ou de la coke, tu vois? Je m'appelle Fernando de Amorim et je suis psychanalyste. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec un rappeur originaire de la cité des Trois Tours. Pur produit de Sevran, ce sont des tours qu'il est venu me parler des malaises de sa banlieue, de l'absence de son père, de ses diverses galères et notamment de ses allers-retours en prison. Rencontre avec un homme en quête d'apaisement qui prend sa revanche sur la vie. Il s'appelle Dayuzi. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. J'ai mal au cœur, c'est à qui j'en veux. La vraie vie, c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, nique avant. Je suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Lorsqu'il passe entre les murs, j'ai trop vu la hurle. Le mal chante ma mélodie. Je suis solo dans ma putain de bulle. Et à ma sortie, je vais leur faire un génocide. Aimer, c'est plus la peine. Leur amitié m'a déçu. Donc si tu leur tires dessus, tiens, pas de cachet dans le sud. Petit sud, où on va? Je tourne en rond comme un compas. Tracer ma route et perdu des compères. J'ai gardé les vrais frères, je suis pour ça que j'organise. Et sous marijuana, faut jamais la légaliser. 9-3, c'est Tijuana. Personne va nous canaliser. Midi, minuit, c'est mort. Ça vend des barrettes au lycée. Ça vient des cités dehors. Ça marche en bon organisé. Bonjour. Bonjour. Prenez place. Merci d'être venu. De rien, monsieur. Merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. Plaisir partagé. Alors, commençons donc. Pouvez-vous me faire une petite présentation? Je suis connu sous le nom de Dayuzi. Je suis un rappeur. Eh bien. Et votre prénom, votre nom? Moi, ouais, mon prénom, c'est... Mon prénom, je m'appelle David. David? Ouais, non, David. David? Ouais. D'accord. David. Ouais. Eh bien, qui a choisi ces prénoms? C'est le prénom de mon grand-père. Votre grand-père. Vous voulez poser vos affaires? Non, je suis bien comme ça. Eh bien, c'est parfait. Il est né où, David? David, il est né à Angers. Angers? Ouais. Grave loin et tout. Vous avez étudié? Vous avez fait des études? Non, je suis même pas resté là-bas. Après, ensuite, j'ai déménagé très vite. Je n'ai pas grandi là-bas. D'accord. J'ai grandi dans beaucoup de déménagements, à droite, à gauche. Puis après, j'ai atterri à Sevran. C'est bien. Et pourquoi autant de déménagements? Bah, à cause d'un peu de problèmes financiers, je pense. Ma mère, elle avait pas cette certaine stabilité. C'est-à-dire? Vous pouvez me toucher un mot? C'est-à-dire que j'ai beaucoup vu les huissiers quand j'étais petit. Après, je connais pas, tu vois. Mm-hmm. J'ai pas la curiosité qui mène à savoir pourquoi, du comment. Mais je sais que je les ai vus. Et je sais que j'ai déménagé. Et cette expérience, c'était comment pour vous? C'était agréable, désagréable? C'était désagréable. Désagréable? Ouais. Pour quelle raison? Alors, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi c'était désagréable? Je crois que dès qu'on a eu un peu la tête sur les épaules, moi et ma sœur, on est des personnes, on a grandi un peu assez vite. À cause des déménagements, tout ça. Mon frère, il était déjà grand. Moi et mon frère, on a 8 ans d'écart. Mon autre grande sœur, on a 6 ans d'écart. Quand moi, j'étais dans ces trucs-là, j'avais 12 ans, 11 ans. Eux, ils en avaient déjà 19, 20. Ça y est, c'est fini pour eux. S'ils veulent, ils sont pas à la maison. Moi, je suis parti de la maison encore plus jeune. Ça veut dire ça y est. Ça veut dire ils sont plus trop dans ces trucs-là. Eux, on les voit. Moi, encore, mon autre grande sœur, elle était encore là un peu au début. Après, quand on déménageait, il restait que moi. Quand j'ai atterri à Sevran, il y avait que moi et ma sœur. Et ma sœur, elle a été vivre aux États-Unis. Ça veut dire j'étais que moi et ma mère. Moi, j'ai vécu longtemps que moi et ma mère. Et c'était comment? C'était dur pour elle. Pour quelle raison pour elle? Je faisais trop de bêtises. Et quand t'es petit, il faut venir te chercher au poste. Ma mère, elle rentre du taf, elle vient me chercher au poste et tout. Quand je réfléchis à ça, je me dis, mais en fait... Après, tout le monde fait... T'as... Non, non, finissez la phrase. Je me dis, j'étais un gogol, ma gueule. Répétez doucement. J'étais un gogol. Quand t'es petit, t'es dans une trixma. Faut grandir, voilà. Moi, quand j'étais petit, j'étais vraiment... J'étais quelqu'un d'excité. J'étais un excité de la vie, un peu. Beaucoup. Sans prétention, sans dire que... T'as capté? Mais en mode...
quand même, quand je réfléchis avec... Des fois, je suis posé moi-même, je pense à ce que je faisais quand j'étais petit. Je suis en mode, mais pourquoi je faisais ça? Je suis un ouf. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma jeunesse. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de bêtises, tout plein de trucs. Comme par exemple? Comme par exemple des bêtises. Vous pouvez parler de ça ou pas? Je peux parler de ça, mais... Allez-y. Des bêtises, je pense qu'on s'est compris. Ah non, pas du tout. Je me suis retrouvé en prison longtemps, des bêtises. Quel âge en prison? À quel âge? J'ai été une fois à 20 ans. Donc pour quelle raison vous étiez... Bah j'ai fait plusieurs bêtises, je vendais de la drogue, je fais tout plein de trucs. Quel genre de drogue vous avez vendu? De la drogue dure et de la drogue douce, hein. On s'en sortait comme on peut d'où je viens. Vous le voyez? Pas de fierté à dire ça, attention. Je conseille à aucun petit qui me regarde d'essayer d'imiter ce qu'on a fait, parce qu'aujourd'hui, je m'en sors mieux dans ma vie et je fais plus ça. Eh bien, je vous remercie infiniment d'aider ça. Bien sûr que je ne pouvais pas le faire, n'est-ce pas? Non, mais c'est pour ça que j'aime pas dire ces choses-là aussi, parce que peut-être que ma mère va me voir, tu vous voyez, et j'aime pas qu'elle entende ce genre de choses. Mais en vrai, faut le dire pour que les gens ils sachent que c'est peut-être pas ça la vérité aussi, tu vois. Des fois, faut chercher d'autres trucs, savoir ce qu'on sait faire le mieux. Et ce qu'on sait faire le mieux, c'est peut-être pas vendre du shit ou de la coke, tu vois. Vous avez raison, monsieur. Vous avez raison. C'était... Financièrement, c'était dur. Fallait trouver un moyen. J'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai essayé une fois ou deux. Pour ma maman. J'ai essayé de faire... Attention, j'ai des diplômes pour travailler. Enfin, pas des diplômes de fou. J'étais jusqu'à la terminale, au bac pro. Même si ils m'ont laissé inscrit, plus que j'y étais. Mais... J'ai toujours... ouvert une porte de sortie, parce qu'à un moment ou un autre, je sais que c'est le mur. Mais j'ai cet amour de la facilité. Ah, ça, c'est bien dit. Amour, la facilité. Mais c'est tout à fait humain d'avoir l'amour, hein, de chercher cette facilité. Tout à fait. Voilà, en vous écoutant là, comme vous venez de dire là, hein, cet amour de la facilité, ça me fait penser à Freud, à Sigmund Freud. Le père de la psychanalyse, le fondateur, le créateur de la psychanalyse. C'est humain. La tendance humaine, c'est de chercher à aller vers la tendance de la pulsion, comme il dit techniquement, c'est d'aller vers la facilité. Mon expérience m'a prouvé que ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Exactement. C'est exactement ça. La facilité, ce n'est pas une bonne chose. Derrière la facilité, il n'y a pas des bonnes choses. C'est derrière le travail, derrière l'effort, qu'il y a des bonnes choses. Voilà, c'est ça. Quand tu fais l'effort, ben moi, c'est ça, c'est la vie qui m'a montré ça. Comme je vous ai dit, j'ai l'amour de la facilité, mais tout le temps, j'ai essayé d'aller quand même essayer de m'ouvrir cette porte de sortie, parce que je sais que c'est le travail qui fait que tu pourras faire une vie. Sinon, facile, 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 ok, tu vis bien, tu rigoles. Mais après, quand ça tombe dessus, j'étais en prison, je suis resté longtemps. Combien de temps? Je suis resté. La dernière peine que j'ai fait, je suis resté 20 mois. 20 mois, c'est... Ok, il y en a, ils durent des 40 mois et quelques et tout. Mais en tout, dans ma vie, pour mon jeune âge, j'ai que 26, 27 ans, je viens d'avoir 27 ans, j'ai tourné 30 mois en prison. Presque 2 ans et demi pour rien. Tu donnes ta vie pour rien, juste parce que tu cherches la facilité. Et en vrai, tu te fais arrêter pour un truc que t'as fait 7 fois pire. Mais en vrai, c'est là, t'as cherché la facilité, ça tombe dessus, le mur. Voilà. Je voulais pas faire des bêtises à la base. Vraiment. C'était plus fort que vous? Je voulais de l'argent. Répondez simplement. C'était plus fort que vous? Ouais. C'est quoi qui m'a marqué, en fait? Je me rappelle un truc qui me vient là tout de suite. Un jour, il y avait eu un... Tu vois, comme les... quand ça s'offre des cadeaux, ton anniversaire, quand t'es petit, t'es... Je me rappelle, je voulais une play, moi. Et vas-y, je voulais une play, mais... Tu vois, je faisais pas des bêtises tous les jours. J'avais pas de l'argent qui viendrait tous les jours. Ça veut dire que j'étais encore à l'école. Je crois que quel âge, à peu près, à ce moment-là? À peu près. 14-15 ans, je 14-15 ans, voilà, continuez. Je voulais trop la play, je voulais la dernière play. Je voulais, elle venait de sortir. Je me suis dit quoi, genre là? Je te jure, je vais tout faire par moi-même. C'est pas grave, hein, je vous en veux pas. Parce qu'en fait, on n'a pas d'argent. Je viens de capter, là, on est pauvre, en fait. Tranquille. C'est ça, moi, je me rappelle, j'ai ce souvenir-là. Ça m'avait fait mal, quand même, je vais pas vous mitonner. Ça m'avait fait un truc. Pourquoi vous souriez quand vous dites ça? Parce que ça m'avait fait mal. J'ai pleuré ce qui m'a fait mal, moi. Sincèrement. J'ai plus envie de pleurer. Je pleure plus, moi. Je rigole.
C'est la revanche. Faut se donner de quoi sourire. Ah ouais, ça m'a fait mal. Je vais plus vivre ces sensations-là. Chouri. Moi, je suis un peu intelligent des fois. J'arrive à avoir... J'ai de l'empathie. T'as vu ? Imaginons, je me mets à la place de quelqu'un d'autre. Qui, lui, il a eu cette play aussi. Et que lui, il a travaillé à l'école. Et lui, aujourd'hui, ça se trouve, il est cadre. Mais il s'est vengé 10 ans après, mais il s'en fout. Moi, j'ai voulu me venger sur le tas, la facilité, trop facile. Ah ouais, j'ai pas eu ça là. Même pas 2 mois après, je me la suis acheté. Je vous jure. Mais... De quelle manière ? De quelle manière ? Je vendais du shit dès 10h du matin. Jusqu'à minuit. Tous les jours. C'est la vérité. Et c'est la vérité tellement de mecs comme moi. Tous les jours, juste parce que je veux ça, en fait. Parce que nous, dans nos quartiers, on n'a pas l'argent à la base. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Dans nos quartiers, quand on fait ça, c'est parce qu'on veut s'en sortir. On n'est pas en mode, ouais, mais ok, j'entends tout le temps, ouais, mais dans les quartiers, il y en a qui font ça, ça, ils travaillent, nanana. Ils travaillent. Mais toi, tu l'as vu, toi, quand il allait travailler et tout. Tu sais comment il s'est acheté ses baskets et tout. Ok, là, il a arrêté, mais tu sais ce qu'il a fait, là, pour... Faut connaître l'histoire des gens. Et les gens, ils s'intéressent pas à l'histoire des gens. La vôtre, c'est comment ? C'est pas l'histoire des gens. Mon histoire à moi ? C'est pas l'histoire des gens qui m'intéressent. C'est pas l'histoire des gens qui m'intéressent, c'est la vôtre. Mon histoire à moi, elle est simple. Voilà, elle est simple. Je suis un fils d'une immigrée congolaise qui est venue en France pour travailler. Et moi, je suis un petit qui volait, qui faisait tout plein de bêtises. Et qu'un jour, un grand frère à lui, il lui a dit... Viens, on fait de la musique, et j'ai fait de la musique, et grâce à Dieu, maintenant, je fais moins de bêtises. C'est ça, ma vie, pour l'instant. Mais j'espère être quelqu'un. Pour l'instant. Pour l'instant, bien sûr. C'est tout. C'est pas mal comme vie, hein. Je vous raconte beaucoup sur ma vie, là, quand même. Vous êtes très généreux avec moi. Je vous remercie infiniment. Vous avez parlé des difficultés financières de votre mère. Et votre père... Ma mère, elle a beaucoup travaillé. Ah, je ne doute pas. 4 enfants. Ouais. Hein? C'est pour ça que c'était dur. Oui, bien sûr. Mon père, il n'est pas là. J'étais au studio il n'y a pas longtemps. Bref. Ah, allez-y. Vous connaissez Jean-Pierre Papin ? Oui, le footballeur. Mon père, il s'est retourné comme Papin. Il s'est retourné comme Papin. Et je l'ai plus revu. Mais je pourrais parler avec lui. Pourtant, c'est pas quelqu'un que j'apprécie. Ou c'est pas quelqu'un que je connais. Mais je pourrais parler avec lui parce que j'ai grandi maintenant. Je suis quelqu'un de... Je peux tout entendre. 7000 fois, j'ai vu tellement de choses. Ça veut dire qu'en vrai, quoi ? C'est mon père. Qu'est-ce que je dois faire pour pas être comme lui ? C'est peut-être lui qui va me le dire. Je suis assez grand pour savoir ça. Il faut grandir. Mais en tout cas, moi, il n'y a pas trop de papa, t'as vu. Pas trop. On se connaît pas trop. On se connaîtra jamais, de toute façon. Pourquoi dites-vous ça ? Même si on se voit, on se connaîtra jamais. On va se voir, on va parler, mais on se connaîtra jamais. Pour quelle raison ? Il saura jamais tout ce que j'ai... Tout ce que j'ai vu, frère, tout ce que j'ai dû faire. Parce que j'avais pas de père. Parce que, attention. Parce que vous n'aviez pas de père. Bah, j'avais pas de père. Peut-être qu'il serait là, j'aurais fait les mêmes choses. Mais j'avais pas de père, moi. J'avais pas la personne qui... J'avais pas de père. Ma mère, c'est mon père. Ma mère, elle a fait les deux. Et ma mère, c'est une femme, gros. Alors, quand t'as 16, 17 ans, ta mère, elle te dit, c'est frère, arrête, voilà. Tu me tapes et tout, mais j'ai pas mal et tout. Et en vrai, quoi, vas-y. C'est pour ça, moi, après, j'étais plus à la maison. Je suis parti de chez moi tôt. C'est ma maman, je l'écoute toujours, tu vois, tu peux pas parler quand elle te parle et tout. Mais quand t'as un père, c'est pas pareil. Moi, j'avais des potes, ils revenaient, c'était cabossé, mon vieux. Vraiment cabossé, non, et tu sens qu'il est passé à tabac, le gars. Il a plus trop envie de le refaire, tu vois, c'est quoi. Un père, ça.
Ça ne donne pas envie de rester comme lui. Même, il y en a, tu vois, ils avaient envie d'être comme leur père parce qu'ils voyaient que leur père, il se levait, ils avaient taffé, leur mère, tu vois, ils soulevaient leur famille. Voilà. Moi, cet exemple-là, c'est en grandissant que j'ai compris que je dois faire ça. C'est pas quelqu'un qui m'a montré. Hein. À votre naissance, il était là? Bah oui, il est parti depuis que j'ai 4 ans. J'en ai 27, là. Ça fait quand même longtemps, wesh. Ça fait 23 ans, il y a des petits, ils ont 23 ans, frère. Arrête. Ça y est, j'ai fait une vida. J'ai fait ma vida bien. Comme je disais dans un texte, papa nous a laissés. Hein, maintenant, je suis bien, je suis sûr qu'il regrette. Vous avez de contact avec lui? Il a des contacts avec des membres de ma famille. Mais moi, j'ai pas de contact avec lui. Il essaie de prendre contact avec vous? C'est pas trop dur de prendre contact avec moi. Mais il cherche. Est-ce que moi, je veux prendre contact avec lui? Ça m'est déjà arrivé qu'il cherche à prendre contact avec moi. Et alors, et vous? Je ne voulais pas. Pourquoi? Bah parce qu'à ce moment-là, j'avais peut-être pas l'ouverture d'esprit de parler calmement avec cette personne. Mais là, maintenant, vous avez. Je peux posséder ce genre de... Voilà. Peut-être une rencontre avec votre père et autant de si... Ouais, quand ça viendra, je le ferai. Oui. Oh, je le ferai, depuis tout ça, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Je suis pas dans l'optique où je vais jamais te voir, chacun a fait sa vie. Non, non, je vous m'en êtes... Fous. Non, non. Je suis trop au-dessus de ça, comme vous avez... Je suis trop au-dessus de ça, non. Je fais ma vie. Donc c'était votre mère qui portait les quatre enfants. Ma mère, elle a porté notre famille. Quelle dame courageuse, votre Très mère. Très courageuse. Vous allez le passer le bonjour de ma part. Elle va vous voir de toute façon. Elle a vu ce monde et tout, elle va me regarder. D'accord. Et donc, même avec cette brave mère, et à un moment donné, c'était l'absence de votre père qui vous a, selon vous... Franchement, même pas. Hein. C'est même pas le fait qu'il soit pas là, mais comme... Quand t'es trop libre... Voilà. C'est et qu'est-ce qui empêche un garçon d'être trop libre? Qui empêche? Un bon modèle. Un modèle qui montre que... La liberté, tu l'as pas encore. Voilà. Quand t'es jeune comme ça. Quand t'es jeune comme ça, on se tue à peu près à quel âge? 15-16 ans. 15-16 ans. Votre nœud, c'est 15-16 ans. Moi, 15-16 ans, chez là, ça y est, j'étais parti. 16-17 ans, là, ça y est, c'était fini. Là, j'étais vraiment en mode, je m'en fous. Là, je m'en fous. 18-19 et tout, là, c'est vraiment... Alors après, c'est là, je suis béton. 20 ans, 19... T'es trop dehors, t'es trop là. Tu veux que faire de l'argent dehors, tu penses pas une seule seconde à faire quelque chose d'autre. Je pense que j'aurais fait la même chose, juste que, t'as vu, le fait d'avoir un père, ça aurait été bien au moins. Exactement. Des fois, t'étais dans des trucs, t'as honte, frère. T'as même pas de daron et tout. Tous, ils sont là, les réunions de trucs, tout le monde dit... Encore nous, c'est parce qu'on a grandi dans le 9-3, on a gravé avec leur daron. Mais vas-y, moi, moi, j'ai ce souvenir-là quand je suis petit. Je peux pas mentir, tout le monde y garde des souvenirs. Moi, j'ai le souvenir de... Vas-y, frère. Alors là, je vais vous demander de m'apprendre quelque chose. Daron, ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire père. D'accord. Eh bien, moi, je sais déjà que je vais sortir d'ici instruit. Je peux vous dire tout plein de mots. Hein. Nous, on parle d'un français vraiment... Waouh. Dans le 93, voilà, un daron. Donc, vous n'aviez pas un daron quand vous étiez petit? J'avais pas de daron. J'avais pas de daron. Ah, vous avez utilisé dar. Dar, ouais, je vous apprends, t'inquiète. On va au fil du temps. C'est la même chose, dar. Un dar, raccourci, dar, daron. Ah, d'accord, t'es bien. Ouais, t'es bien. Donc, vous n'aviez pas votre daron. Pas de daron. D'accord. Quand vous avez parlé de copains qui venaient cabosser comme ça, j'ai vu du père cabosser, mais des mères aussi. Bien sûr, mais bien sûr. Hein? Mais quand c'est une mère qui te cabosse, c'est pas pareil. C'est vrai. C'est pas pareil. Déjà, ça fait moins mal. Mais il a l'autorité. Non, il y a l'autorité toujours, des parents à respecter. Exactement. L'autorité, non, tu ne fais pas ça. Non, tu fais pas ça, mais quand t'es petit... Oui, il faut un adulte pour dire non, non, tu ne fais pas. C'est tout seul qu'on se rend compte. Hein. Pardon? C'est tout seul qu'on se rend compte. Mais en vrai, nous, on n'écoutait personne, frère. Depuis que je suis petit, j'écoute pas trop les gens, moi. J'écoute personne. Mais c'est une blague, ça. Mais non, si vous n'avez pas écouté votre mère, vous ne seriez pas devant moi, on entendrait aussi votre vie. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté fort. Peut-être elle vous avait donné des coups de merde, des coups comme ça. Ah, mais si je l'aurais tellement écouté, j'aurais pas fait toutes ces bêtises déjà. Ah non, si vous avez fait cette bêtise, c'est votre responsabilité. Ma mère, moi. Elle, vous avez pas dit du fin. Tout ce qu'elle m'a appris, c'est de pas faire des bêtises. Elle m'a appris beaucoup de pas faire des bêtises aussi, ma mère. Donc déjà, c'est de ça que je dis que je l'ai pas écouté. Est-ce que ces bêtises-là, c'était pas un appel au père? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie.
Non, moi j'ai jamais été dans. Moi je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais oui, oui, oui. J'ai jamais été dans les appels de phare de trucs de. Moi je fais ça parce que mon papa il est pas là ou. Oh lolo. Appel des phares. C'est merveilleux ça. Ouais. Il est pas là, il est pas là. C'est après quand je grandis, je me dis ah ouais, peut-être que j'aurais peut-être manqué de ça, 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 ça. J'aurais aimé l'avoir. Ça, ça, c'est quoi? Donnez un nom à ça. Les enfants, ils leur font un modèle pour qu'ils grandissent bien, pour qu'ils voient les bonnes trajectoires. Mais en vrai, je m'en fous, moi. C'est vrai? Ouais, pour de vrai, vous en foutez? Je m'en fous, pour de vrai. Vraiment, sincèrement et tout. Fond du cœur. Je m'en fous. C'est pas quelque chose qui me turlupine avant de dormir. Ah non, 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 je parle pas de non, ça. Mais non, mais je vous dis, pour moi, c'est quoi? Je m'en fous. C'est quelque chose. Si je m'en fous pas, ça, j'y pense. Mm-hmm. Je m'en fous. Pourtant, c'est, ça se trouve, c'est un truc que je vais régler dans ma vie, que je vais plus tard communiquer, sûr. Sans doute. Ouais, ouais. Je suis quelqu'un d'ouvert et tout. Mais même après ça, je pense que je m'en fous. Ça va rien changer. Je m'en fous. Tellement d'années. Je m'en fous. Tellement d'années. Vous dites ça, on sent le poids de la phrase. Tellement d'années. Tellement d'années quoi? Tellement d'années sans mon père. Oui. Ça veut dire qu'en vrai, je m'en fous, je sais faire sans. Je sais même bien faire sans. Je m'en fous. L'amour d'un père, c'est pas obligé. Ma mère, elle a choisi de venir me voir. Ma mère, elle a choisi d'être là pour moi. Quand vous dites choisi de venir me voir, où? En prison, dans toute la France. D'accord. À Fleury-Mérogis, alors que je lui disais, maman, viens pas. T'inquiète et tout. Elle venait quand même une fois par mois et tout. Toutes les deux semaines. Ma mère, elle a choisi d'être là pour moi. Quand je voulais pas faire ce qu'elle voulait, elle me virait de chez elle. Eh, vas-y, bah alors, va-t'en. Va-t'en. Mais je t'appelle quand même pour savoir où t'es et tout. Nan, nan. Mais tu reviens pas. Une merde, quoi. C'est de montrer qu'il y a de la loi, mais aussi de l'amour. Je te lâche pas. Voilà. T'es un petit con, mais... Je te lâche pas. Ouais, je te lâche pas. Je te lâche pas. Voilà. Je te tire les oreilles, mais je te lâche pas. Ouais, ah, voilà. Je vais te taper fort. Bon, les claques de mère, on sait comment ça tape. Non, vous avez tout résumé. Ma mère, elle a toujours été... Dans... C'est pour ça que je lui dois... Je vais tout lui donner. Si j'ai bien compris, 15-16 ans, c'était un moment très important de votre vie. Ouais. Hein? C'est un peu quand... C'est un peu quand j'ai décidé que j'allais plus à l'école et tout. Voilà. Ça, c'était quand vous avez arrêté d'aller à l'école et que vous avez commencé à vendre des drogues. Très bien. Ensuite, il y a le passage par la prison. Mm. À quel moment vous vous êtes dit que ça suffit, quoi? Je veux faire une autre chose de ma vie. Quel âge, à peu près? C'est à partir de la deuxième fois où je suis sorti de prison. Quel âge, à peu près? J'avais 24 quand je suis sorti. 24 ans? Ouais. Ah, vous êtes sorti 24 ans? Ouais, je suis sorti à 24. Et le rap était déjà dans votre vie? Ouais, j'ai toujours rappé depuis que je suis petit. D'accord. J'ai toujours aimé. Et qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? De ne pas continuer par la voie et marginalité, si vous me permettez. Hein? Bah, j'ai... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui m'a fait croire en ce truc. C'est tout lequel? En ce rêve. Quel rêve? C'était un rêve de pouvoir s'en sortir avec quelque chose qu'on aime. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle avait fait? Bah, elle m'a fait croire. Elle, c'était une dame? Non, c'est cette personne. Ah, cette personne? Il. Dans les moments où c'était dur, il m'a fait croire en moi. Il a renforcé cette idée que votre mère a déjà mis en place, qui vous êtes quelqu'un qui... Vous avez vraiment trouvé les mots exacts. Il a renforcé l'idée que ma mère m'a... Que je peux y arriver, je peux être quelqu'un. Après, il y a plein de gens aussi qui m'ont fait croire en moi, mais cette personne-là, c'est elle qui m'a vraiment... Je me suis dit, ouais, en fait, on va le faire, là. Vas-y, à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, je vais vraiment essayer de rapper. D'être connu parce que je sais rapper. C'est vraiment lui qui m'a donné envie d'y arriver. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie aujourd'hui? Il est avec moi dans la production de DAUG. D'accord. On est une équipe de 4 producteurs. Nous 4, on se produisait. Nous, en fait, on savait même pas c'était quoi un producteur, non. On a juste mis nos sous. Et moi, non plus, je ne sais pas qu'est-ce que c'est un producteur. Un producteur, c'est celui qui décide de la direction musicale,
C'est celui qui décide de comment le clip va se passer. C'est celui qui décide de... C'est lui qui décide de tout. Le destin de, de l'œuvre. Ouais. Là, c'est un travail. Ils font beau, on fait, on essaye. Vous essayez ou vous faites? On fait. Bien. C'est vrai. C'est vrai, on fait. Mais on veut faire encore mieux, c'est pour ça que j'ai dit on essaye. Et votre rap, est-ce qu'il y a un thème qui vient avec fréquence ou vous traitez comment? Qu'est-ce que vous inspire? Ma vie. C'est ma vie qui m'inspire. Eh bien, vous avez fait un premier album, c'est comme ça que vous dites? Oui, une mixtape. Eh bien, c'était le premier. Ouais. En quelle année? C'était l'année dernière, janvier de l'année dernière. D'accord, très bien. Et ça parlait de votre vie? Oui, ça parlait de ma vie. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet album qui fait référence à votre vie? L'album, il s'appelait Mexico. Et Mexico, moi, je viens de Sevran, là où j'ai passé mon adolescence, j'ai fini mes études du collège, tout ça. Bah, Mexico, c'est là où on a grandi. On dit Sevran du côté Mexico, c'était notre partie. Il parle de moi, cet album. Tu vois? De la première chanson à la dernière. Par exemple, en termes des livres, est-ce qu'il y a un auteur français que vous aimez? J'ai pas trop lu, moi. D'accord. Mais je me rappelle d'une phrase qui m'a marqué, c'est de Baudelaire. Et je l'ai écrit carrément, dès que je l'ai entendu, je l'ai écrit sur un cahier pour m'en rappeler tout jamais. Parce que moi, dès que j'écris un truc, je m'en rappelle. Enfin... Et il disait quoi? Il disait « Les regrets sont stériles et n'engendrent que la mélancolie. » Je me suis dit « Ah ouais, il a raison. Faut pas que je regrette quelque chose. » Mais sinon, moi, j'ai pas trop été de la lecture et tout. L'action de lire, moi, c'est pas quelque chose qui me stimule. Mais bien sûr. J'ai l'impression que je m'ennuie. Dès que ces petites sensations, elles m'attrapent de hop, ça y est, en fait, j'arrête de lire. Par contre, je pourrais écrire des heures et des heures. Voilà. Et c'est ça que vous faites? Vous écrivez beaucoup? J'écris beaucoup. Poésie ou prose? C'est comment? C'est avec la, chercher Des fois, j'essaye d'être poétique. Et des fois, j'essaie juste de raconter. Très bien. Ah, exactement. Ça, c'est très intéressant, ça. C'est beau, ça. Quand vous cherchez à être poétique, il y a un dictionnaire à côté ou son dictionnaire? Non. C'est... Non, je concentre mon esprit. D'accord. Je concentre mon esprit. Oui, mais les mots, ils viennent... Les mots, ils viennent. C'est une richesse de mots. Les mots, moi, je ne sais pas pourquoi, mais ils viennent toujours. D'accord. Ils viennent toujours. Et parfois, est-ce que vous avez un doute? Je vais chercher la définition. Ouais. Affiner. Bah oui, des fois, j'ai des doutes. Mais voilà. Et vous allez chercher ça où? Bah non, je demande aux gens autour de moi. D'accord. Eh, hey, mais ça, est-ce que ça se dit? Non, mais ça veut dire ça, non? Ouais, ouais, ouais. Je suis curieux et je retiens. C'est pour ça que j'ai tout plein de mots dans la tête. Ça me reste un peu. J'essaye de pas être bête. Ça veut dire faut connaître des mots pour pas être bête. Et voilà, exactement. Pour pouvoir s'exprimer. Exactement. Voilà. Et donc, votre l'accès au verbe, aux définitions, aux mots, ça passe par les copains, les camarades qui sont à côté. C'est par l'échange, ouais, ça passe par l'échange avec eux. Franchement, ça fait super longtemps que j'ai pas ouvert Indigo. Super longtemps. Vraiment très très longtemps. Je saurais même pas vous dire quand. Voilà. Mais vous savez, par exemple, les poètes, ce sont des gens qui fréquentent énormément les dictionnaires. Moi, je touche vraiment pas de dictionnaire. Pourtant, j'ai l'impression des fois que je fais un peu de poésie. Mais oui. Des fois, moi-même, je suis surpris de comment je formule des mots. Ah, voilà, c'est ça, c'est intéressant. Exactement. Exactement. Oui. La vraie poésie, elle tombe comme ça. Je vous jure. Alors, à un moment donné, il y a cette Eureka. C'est Eureka, comme c'est dit. Eureka. Eureka. En grec ancien, on dit Eureka. Pourquoi, en fait, Eureka? Ça passe à son doute. C'est parce qu'à un moment donné, il y avait un monsieur qui s'appelle... je crois que c'était Archimède. Son roi lui avait donné une quantité d'or pour faire une couronne. Et à un moment donné, quelqu'un commençait à dire que l'artisan qui avait préparé la couronne avait piqué un peu de l'or pour mettre un peu d'un métal moins noble. Et... À la fin, donc, le roi reçoit la couronne. Elle était magnifique.
un vrai travail d'orfèvre, magnifique. Mais il y avait cette histoire... Il manquait de l'or. Il manquait de l'or. Ouais. C'est toujours la question du manque, vous savez. C'est manquer de l'or, manquer du père. Il manque souvent quelque chose. Voilà. C'est vrai, il manque souvent quelque chose. Heureusement, d'ailleurs. Sinon, ça c'est... Non, moi, je pense que des fois, c'est parce que le manque n'existe même pas. Vous pensez que le manque n'existe pas? Des fois, il n'existe pas. C'est toi qui crées le manque. Ah, mais oui. Parce qu'en vrai, il n'est pas là, il n'est pas là. Oui. C'est toi qui crées le manque. Oui. Pourquoi tu as besoin de ça? Parce que tu as vu ça là-bas? Dans ta vie, toi, est-ce que tu avais vraiment besoin de ça? Moi, je me pose ce genre de questions. Mais là, on parle du manque ou on parle de la perte? Non, on parle du manque. Par exemple, quand j'étais jeune, oui. avant que je m'achète une voiture ou un truc, j'étais en mode, il me manque une voiture. Pourquoi j'ai pas ça? Là, je suis dans le manque. Mais je me pose tout plein de questions. Mais oui. En vrai, pour qui te dit que tu manques d'une voiture? Voilà, exactement. C'est pas une voiture que vous manquez. C'est d'une autre chose. C'était de quoi? Ah non, mais je peux pas vous dire ça comme ça. Non, je vous jure, il me manquait une voiture à un moment. Après, je l'ai eu. Ça allait mieux. Après, il me manquait d'autres trucs tout le temps. Le manque, c'est nous qui l'inventons. Exactement, c'est le manque. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que le manque, il existe vraiment? C'est une merveilleuse question. Je peux terminer l'histoire avec toi? Ouais, j'aimerais bien. Ouais, excuse-moi. Alors, donc, à un moment donné, Archimède, le roi l'appelle, il dit, écoute, voilà le problème. Je pense que j'étais volé, mais je ne veux pas courir le risque de détruire la couronne, elle est magnifique. Donc, elle prend la couronne, elle ne sait pas comment faire. Et donc, elle prend avec un gamin et elle va au bain, à l'époque, là, pour se doucher. Et le gamin elle rentre dans le bain et il y a un peu d'eau qui coule. Et quand Archimède rentre, il y a beaucoup plus d'eau qui tombe. Et à ce moment-là, il regarde le gamin et il crie « Eureka !» Et il crie comme ça, donc « Eureka », ça veut dire « J'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé !» Et donc là, il fait l'expérience. Il met la couronne et il laisse déborder. Et donc, ce qui reste, c'est la quantité de l'or qu'il y a dans la couronne. Il prend un autre vase, il met la quantité que le roi a donnée à l'artisan. Et à ce moment-là, il y a beaucoup plus d'eau qui tombe. Donc, ça veut dire qu'il y a moins d'eau dans la couronne. Et donc, le type était tué, je crois, décapité. C'est une merveille. Voilà, exactement. Voilà. C'était noir avant, les décapitations, tout ça. Moi, j'aime bien les trucs en plus à l'ancienne et tout. Oui. J'aime bien les films à l'ancienne. Je sais pas pourquoi. Avant, c'était quand même des vaillants. Des barbares, vous voulez dire? Bah non, des fois, ils se battaient à l'épée et tout. Pourquoi c'était des barbares? Mais tuer les gens comme ça, c'est une barbarie. Ces histoires de découper la tête des gens. Non, ça, c'est encore tout ça, c'est trop fou. Voilà. Découper la tête de quelqu'un, c'est trop fou. Quelle idée, mon Dieu. Avant, ils étaient fous un peu. Mais ça s'entretue trop, moi, je trouve aussi. Pardon? Ça s'entretue dehors maintenant aussi. Oui. Dans la rue, ça s'entretue beaucoup. Oui. Pour un rien. Tout le temps, il y a des histoires. C'est ça, la barbarie? Voilà, ouais. Mais ouais, c'est vrai. Il y a trop de barbares. Oh oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai, tous on est barbares pour rien. Mais pourquoi on est comme ça? Vous avez la réponse? Oui, ça part un peu d'une aliénation, du fait de ne pas grandir. C'est vrai. Oui. C'est vrai ce que vous dites, parce que moi, j'ai grandi il y a peu de temps, là. Et je vois ce que vous voulez dire, c'est vrai. Le fait de plus tu grandis pas, plus tu peux faire des trucs de fou. Exactement. C'est merveilleux ce que vous dites, là. C'est merveilleux. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Oui. C'est bien dit, en plus. Vous avez très bien dit. Ah, c'est vous qui avez dit? Pour c'est par vous. J'avais fait un peu la décoration. C'est un feat. Dans le rap, on appelle ça un featuring. C'est vrai? On appelle ça un feat. Alors, c'est quoi, ça? Apprenez-moi. Un feat, c'est quand deux bons rappeurs, oui, bah, échangent, ils font un bon truc, ça fait un feat. Eh bien, voilà. Mais voilà. Donc, vous m'autorisez à dire que nous avons fait un feat. On a fait un feat. Eh bien, vous me voyez aux anges. C'est moi, je suis content, c'est carré. Très bien. C'est carré. Cette balade de la langue française, est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à attirer votre attention, toucher votre cœur? Il y a un rappeur, moi, qui m'a touché quand j'étais petit. Oui. Il s'appelle Nesbill. Il disait des trucs.
Ça me touchait. Quand vous faites des trucs, vous pensez à quelque chose, à une phrase? Ouais, je pense à un son qui s'appelait L'œil du mensonge. Ouais, je sais même plus ce qu'il disait. Attends, il disait... Attends, il disait quoi? Il disait... Rien ne m'appartient ici-bas à part mon linceul. Évitez le lynchage. Besoin de personne qui va laver mon lynchage. Il en avait trop dans celui-là. Tu parlais d'amour. Au-dessus de moi, il y a une potence. Viens instinct à l'instinct. Chaque instant a son importance. Vu qu'il y a que ça dans notre entourage, je crois que les femmes, c'est toutes des salopes. Vous pensez que c'est vrai, ça? Quand j'étais petit, Moi, j'ai grandi avec mes sœurs. C'est-à-dire, j'ai toujours eu le respect des filles. Avec les filles, moi, j'ai toujours été en mode... J'ai pas trouvé, t'as vu? C'est-à-dire? J'ai pas trouvé. J'ai cru trouver, en fait. Quand vous dites trouver la fille, c'est trouver l'amour? Ouais. Oui. Vous n'avez pas encore trouvé l'amour? Je l'ai perdu plus. Je l'ai pas trouvé. En toute sincérité. Oui. Après, ça fait un peu un moment, donc maintenant ça va. Ça veut dire. Tranquille. Chacun fait sa vie, hein, c'est la vie. Mais. Moi, j'ai toujours ces. La vérité en moi et tout, j'ai une déception et tout de ce truc-là. En mode, comment ça se fait que je trouve pas... Je pense pas être qu'elle... Et après, moi, je trouve que les gens, ils sont un peu faux dans l'amour aussi. Ils font semblant. C'est comme maintenant que je suis un peu connu, les gens, ils font semblant avec moi. Mais des fois, je suis seul face à moi-même, je me dis ça, la vérité. J'aimerais bien juste trouver quelqu'un... Ah, pourquoi j'ai pas trouvé quelqu'un avant que ça aille mieux et tout? Avez-vous le sentiment que vous avez été... aimé par votre mère? Ma mère a toujours cru en moi. Eh bien voilà. Quand il y a une mère... J'essaye de le retranscrire dans tout ce que je fais. J'essaye de le rendre. Même sans ça, je leur aurais tout rendu déjà. Ma mère, c'est ma vie, moi. Ma mère, c'est ma vie. Pour de vrai, c'est ma vie. Votre mère, c'est votre vie? Ouais, pour vous, c'est ma vie, moi, ma mère. Mais peut-être c'est pour cette raison que l'amour n'arrive pas à s'approcher de vous, parce que... Peut-être, hein. Mais oui. Il faut qu'on puisse peut-être à un moment donné... Non, je suis dehors, franchement, l'amour et tout, il... Ah non, l'amour, c'est pas comme ça. L'amour, c'est comment? Quelqu'un peut expliquer l'amour? Vous avez la prétention de pouvoir expliquer l'amour? Ah, je suis pas la prétention. Voilà. Non. Mais l'amour, ça se trouve pas comme ça, mais ça se trouve comment? Non. S'il y a déjà une mère dans votre cœur, c'est très compliqué. Et... Donc ceux qui ont l'amour, ils ont pas de mère dans leur cœur? Ah non, un vrai amour... le cœur est déjà dégagé... Et... Moi, je pense pas. Ah... Là, on n'est pas d'accord tous les deux. Ouais, mais moi, je pense pas. Moi, je pense que celle qui rentrera dans mon cœur, elle sera... Franchement, donne-moi des enfants et tout. Donne-moi toute la vida. Peut-être tu rattraperas, t'essaieras de rattraper un peu ma maman. Mais ma maman... Dans le cœur, dans le corazon. Ma mère, c'est ma vie. C'est ma vie. Ma mère, elle m'a jamais lâché. J'étais dans des prisons super loin. Non, mais ça, c'est... Oui. Elle m'a jamais lâché, elle est venue me voir, elle a cru en moi, toujours, elle me disait, tu vas y arriver et tout. Mais c'est tout à son honneur. Qui va me faire ça dans la vie? Elle avait fait, c'est son taf de mère. C'est pas un taf. Ça, c'est de l'amour. Oui, mais bon, n'exagérons rien. Hein? Non, trop d'amour de mère aussi, ça... Trop d'amour, ça te truc. Ma mère, elle est dure avec moi, des fois, elle me dit la vérité. Attention, je suis comme ça parce que ma mère, elle me dit la vérité. Hein. Ma mère, dès qu'elle croit que je suis un peu bête, ah ouais, non, elle m'explique. Ah, ça, c'est sûr. Non, mais je parle pas de votre mère, je parle de vous. Le problème, c'est pas du côté de votre mère. Non, moi, je pense pas que j'ai trop d'amour pour ma mère pour pas laisser la place pour une femme. Voilà. Je pense pas que je suis dans cette situation. Eh bien, c'est très bien dit, ça. Je pense pas que je suis dans cette situation-là. Il y avait de la place pour beaucoup de gens dans mon cœur. Hein. Maintenant, c'est restreint. Ah oui? Je sélectionne à mort. Et en vrai, quand je sélectionne, est-ce que j'ai vraiment... J'ai envie, parce que j'ai envie d'être dans mon chez-moi. On me fait des bisous, j'ai un bébé. Mais en vrai... Dans mes sélections que je fais là, rares sont les personnes qui peuvent postuler à cette place. Il faut tout de même un peu se décoller de sa maman, sinon... Trop d'amour des mères. Moi, je vous dis un truc. Dites. Vous dites que je suis pas collé à ma maman. Ah non, j'avais pas dit non, ça. Mais, regarde, comment vous l'interprétez? Oui. Mais j'ai tellement été loin de ma mère, tellement de temps. Oui. Tout le temps. Oui. Je suis parti de la maison tôt. Après, j'allais à droite, à gauche. Je suis allé à Tours, un moment dans ma vie. Je me suis dit, ah, vas-y. Je prenais des plaquettes, j'allais à Tours. Ma mère, et quoi? Je la voyais pas pendant je sais pas combien de temps. Là, j'étais en prison après. Et un jour, je me suis arrêté, j'étais en prison à Orléans. Après, j'étais en prison, ils m'ont jeté payé à Châteauroux. Après, je suis ressorti, je vivais pas avec ma mère. Je vivais encore je sais pas où, nanani. Nanana, je vis pas avec ma mère depuis super longtemps. Moi. Quand je donne, j'ai de l'amour pour elle parce que c'est quand je suis seul face à moi-même et je vois ce qu'elle a fait pour moi.
Ma mère, je la vois pas tout le temps. Ma mère, elle peut pas me voir pendant 6 mois, elle sait très bien. Mais ta place, elle est dans mon cœur. C'est de ça que je parle. C'est pas la géographie, c'est pas l'histoire géo que je parle là. C'est Mais ces personnes-là qui arriveront à se graver... Dans mon cœur, il y a des personnes. Hein. Dans mon cœur, il y a... Dans mon cœur, il y a beaucoup de personnes. Mais il n'y a pas... Je sais pas. C'est une sélection. Il faut se sélectionner. Ah oui, ah, ça, c'est sûr. Vous avez tout à fait raison. Je pense, en tout cas. Je sais pas, après... L'avenir nous dira. Hein. Oui. L'avenir nous dira, je sais pas. Vous êtes jeune. Je suis jeune, j'approche quand même de la trentaine, là. Hein. S'approcher, ce n'est pas... Hein. Ouais, je suis encore jeune. Ça vous va. Avez que 27 ans, vous venez de faire 27 ouais. ans. Hein, vous avez déjà un parcours de vie tout à fait C'est déjà riche. Assez long. Ouais, c'est riche, comme vous dites. Il n'est pas lourd, riche. Ouais. Vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un de lourd. Non. Non, non, non. Vous êtes très joyeux, très en forme. Ouais, je suis joyeux. Je suis joyeux. J'aime bien rigoler. J'aime bien rigoler. Souhaitez-vous dire un mot? Avez-vous le sentiment que vous allez sortir renseigné sur vous-même? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Moi, je peux me précipiter avant de vous laisser la parole. Je sors très renseigné. Même moi, franchement, vous m'avez appris. Sur moi-même, je pense que je savais déjà beaucoup de choses. Beaucoup. Après, il y a des questions qu'on a soulevées ensemble, que j'aime bien. Que j'aime bien, qu'en vrai, je vais me les reposer encore. Parce qu'en vrai, vous m'avez fait prendre conscience d'un truc que, en vrai, ça me reste dans la tête. Quel truc? Ça n'existe pas, le manque. J'avais dit ça? Moi, je me suis dit ça, mais en tout cas, grâce à notre discussion, je me suis dit ça. C'est pas un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, mais en fait, je crois, le manque, ça n'existe pas. Là, le fait de soulever plusieurs points, ça m'a fait prendre conscience qu'en vrai, le manque, c'est toi qui le crée. C'est pas des manques, c'est des trucs que tu veux. Et ça, c'est pas un manque. Si tu peux vivre sans. Mais là, ce que vous dites, c'est la privation de ne pas avoir un objet. La play. Ouais. Et l'automobile. Tout est parti de ça. Ouais. Voilà, c'est de la privation. Parce qu'il y a. Non, c'est pas de la privation. Pour moi, c'est même pas le fait de se priver que je dis quand le manque n'existe pas. C'est le fait de savoir se dire. C'est pas un manque, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux pour être... En fait, c'est ce que je veux pour être dans un certain confort. Faut savoir s'avouer que nous, on aime le confort. On recherche un confort. Moi, toute ma vie, j'ai recherché un confort. Quel type de confort? Un confort financier, un confort... le confort dans ma vie. Je veux être tout le temps dans le confort. Pour avoir ce que... Putain, je sais plus comment formuler. Mais c'est merveilleux comme vous êtes en train de formuler. Par exemple, les enfants, elles supportent le manque de confort, la frustration. Est-ce qu'un enfant peut supporter ça? C'est dur. C'est dur. Ça crée des frustrations. Mais voilà. Exactement. Voilà, c'est vrai, ça crée des frustrations. Oui. C'est vrai. Ça crée des frustrations, le manque de confort. Et c'est un adulte qui vient comme ça, c'est comme ça, tu vas patienter, tu vas à l'école... Tu vas... Attendez, laisse-moi terminer. Ouais. Oh, du contraire, tu vas... Peu importe, je ne suis pas obsédé par l'école. Hein. Non, j'ai bien compris. Voilà. Donc, tu vas patienter, tu vas faire ta musique patiente encore. Oui, mais ton album, tu vas sortir dans 6 mois. Non, je vais tout de suite. Non, du calme. C'est vrai. Voilà. L'adulte sert à ça, à apaiser. C'est vrai. C'est vrai que les personnes qui m'ont souvent appris dans ma vie, ils avaient certains reculs. Voilà. C'est exactement ça. Est-ce que si on vous laisse, vous êtes une flèche, hein? Moi, je suis quelqu'un qui aime bien flécher. Je suis pressé de tout, des fois. Ah oui? Je suis pressé de tout. C'est vrai, hein, c'est pas une qualité. Vous rigolez ou quoi? Bah, je sais pas si c'est une qualité. C'est simplement un peu canaliser un peu. Ouais, faut se canaliser. Il faut pas que la flèche tire dans tous les sens. Il faut qu'elle touche la cible. Eh bien, merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Très enrichissant, merci. Vous permettez que j'ouvre la porte pour vous? Ouais, je permets. Je permets, monsieur. Vous êtes gentil. Voilà, rentrez bien. Merci.